Oui, je comprends, Max. Je comprends que ce soit plus compliqué du coup, c'est sûr. Et G2, ils ont une chance de gagner ou c'est chaud? Pourquoi vas-y, t'es l'Alsace? Moi, je suis de Haute-Savoie, mais j'ai toujours été pour Marseille. Je suis de la famille à Marseille en vrai. Et j'ai même vécu un an du coup, quand j'étais. Quand on était à la Gaming House Millennium. Donc. Je crois que je l'ai eu le Z. Ah non, j'ai Luciane. Dommage. Moins bien. Alors, je suis pas de l'Alsace, non. Quand même, respectez-moi. Je rigole. Tout à l'heure, illusion. Non, c'est bien, j'ai réalisé, ce sera pas l'Alsace. Enfin, c'est un peu des Allemands, quoi, donc c'est. Voilà. Enfin, il y a pas de. Voilà, pas de quoi être fier d'avoir été Allemand, mais bon. À la rigueur, nous on a été italien quoi. Enfin bon, on a plutôt été. Fait italien. Plutôt été indépendant quoi. En l'occurrence. C'est pas vraiment italien. On va dire ça tout de suite. Ah bah, les Alsaciens, c'est un peu l'Allemagne quoi, je veux dire. Hein. C'est un petit peu l'Allemagne donc bon. Le mec qui cherche des embrouilles sur le chat. Non mais vous avez. Voilà. Vous avez à plusieurs reprises cédé face aux Allemands. Il faut le dire, c'est pas une honte, c'est pas grave. C'est arrivé à. C'est arrivé à d'autres, voilà, mais bon. On est ni français ni allemand, on est alsacien. Comment ça, vous n'êtes pas français ni allemand? Faut choisir ton camp, Nanaki. Choisir ton camp. Ah, tous les mecs ont 68 dans leur pseudo là. Bon, peut-être vendre le Luciade. Je vais acheter le Garen. Le Garen. Le Garen. Ok. Ok, ça me va, c'est pas mal, On a Lucien Ludel éventuellement. Le mec qui fait des kills sur H24, il est pas alsacien à l'eau. Mais quel rapport? Quand tu fais des raclettes, est-ce que je te dis que t'es au Savoyard, bâtard? Ou que t'es suisse, putain. Attends, j'ai oublié le 6 du coup, sur le classement. Le classe à main. La game d'avant était horrible quoi, sa race. Faut que je m'entraîne à être régulier pour les tournois de la Paris Games Week là. Et surtout que Quiche Lorraine n'y a aucun rapport avec l'Alsace en plus, putain, c'est marqué dans le nom de la quiche. Putain, non mais j'en peux plus quoi. J'en peux plus. J'ai même pas tilté tellement c'était con du coup. Tu as insulté notre intelligence. Alors, est-ce qu'on va vraiment jouer Luden sur Lucian? Je suis pas sûr qu'on va y faire Luden en vrai. Je pense pas. On va jouer Z et on va plutôt partir sur un truc chevalier, une Katawina, je pense plutôt là. Ici. Oh, Katawina, Katawina. Katawina, let me go. On va acheter des trucs de merde qu'on va jamais jouer. Ok. Très bien. Mort de 3 le dream. Non, c'est pas le dream là. À Haute-Savoie aujourd'hui, c'est plus grand chose que les frontaliers qui viennent dans la région pour le fric. Bah, ils viennent dans la région parce qu'il y a du fric et que c'est beau quoi. Sinon, ils pourraient rester sur Paris quoi. En soi, parce qu'à Paris, il y a déjà le fric pour le travail quoi, tu vois. Mais oui. La Haute-Savoie, c'est le travail comme région pour le coup. Parce que tu as le fric d'une grande métropole mondiale, avec Genève juste à côté. Et. C'est objectivement, pour y avoir vécu pendant 18 ans, très beau quoi. Autour de Thonon, Évian, Annecy. Bon, par contre, Annemasse, c'est dégueulasse, mais bon, bref. Putain, je dénonce tellement sur ce stream. C'est vraiment un stream où on dénonce. Hein. C'est vraiment un stream où on dit des choses là. Attends, je peux tout vendre à 20 gold là, on est d'accord. Hein. Oh, let's go. C'est vraiment un stream où les choses sont dites, quoi, je veux dire. Sauf que nous, on part travailler en Suisse pour gagner le double. Oui, c'est ça, exactement. Magnifique. Compare pas les salaires de Genève à Paris niveau fric, c'est pas la même. C'est très cher, Genève. Hein. Mais en fait, Genève est aussi cher que Paris en termes de loyer, globalement. D'accord, la différence avec Paris, hein, c'est que Paris, les salaires sont moins élevés qu'à Genève, quoi. Alors que c'est les mêmes prix, mais bon. Enfin, je trouve ça quand même plus sympa. Je connais bien Genève et je trouve Paris beaucoup plus sympa que Genève, perso. Mais moi, j'aime pas trop Genève. Pour y avoir pas mal été, j'aime pas du tout, quoi.
Mais bon, c'est le gros problème de Paris, hein, c'est que globalement, les salaires sont pas spécialement élevés, pas plus élevés que. Les salaires à Paris sont pas spécialement plus élevés qu'à Lyon, par exemple. Alors, un petit peu plus, en tout cas, t'as plus d'opportunités, mais bon. J'aime Paris 1000 fois. Ah, moi, j'aime pas Genève, moi. Moi, j'aime pas. Après, j'aime beaucoup Paris, perso, donc. Je sais que c'est pas un truc qui fait l'unanimité, mais. J'ai envie de dire, je demanderais personne d'aimer Paris avec moi. Infâme Paris. Ah, moi, j'adore Paris, moi, perso. J'aime énormément Paris. Non, pas ça, je. Ouais. Ça, en fait, ça combine pas bien avec. Avec le Z qui va jumper sur la front line adverse. Je vais faire ça du coup. C'est pas fou, mais let's go. C'est pas grave de perdre. Alors. Tadam. Comment tu peux pas aimer Genève? C'est pas fou, Genève, hein. C'est vraiment pas fou. Enfin, moi, je sais pas. Ce que. Ce qui fait. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas. C'est comme ça. J'ai pas spécialement d'explication en vrai. J'aime pas. J'ai jamais eu un bon feeling avec Genève en fait. Alors, il y a des coins autour de Genève qui sont super mignons par contre. Autour de Genève, il y a des super coins quoi. Mais alors, Genève intramuros, je déteste quoi. Alors. Perso, j'ai vécu à Paris et maintenant en Haute-Savoie et j'ai pas envie de re à Paris. Hein, je sais pas. C'est pas grave, ça va être Katane à la place du Z. Non. Ah, moi je voulais le gant sur Evelyne. Ce sera le gant sur. Sur lui. Ok. Très bien. Non, je sais pas. J'ai jamais piffré Genève. Et bon, Paris, j'adore. Mais. On va dire que. Soit t'as la chance comme moi. De pas avoir à prendre le métro pour aller au boulot, quoi. En fait, je pourrais pas habiter à Paris. Attends. Parce que j'ai pas envie de donner ça à Z du tout comme item en fait, quoi. Merde, j'ai vendu Darius! Putain, j'ai un trou du cul! Oh, je me fais exprès! Oh, je suis un canard, putain! Oh, ouais, je suis un. Putain! Je suis un canard. Je suis rentré à la chie pour. Comment je fais pour le vendre? Je donnais ça à Katarina en fait. Mais je suis peut-être pas l'avoir à vendre, quoi, donc. Soit t'as la chance comme moi d'habiter et d'aller au travail à pied, quoi. Mais je pourrais pas habiter à Paris en prenant le métro tous les jours, c'est impossible quoi. Moi je prends jamais le métro. Enfin, hier je l'ai pris pour la Châtelet, genre parce qu'on a été manger avec un pote quoi. Je suis revenu en Uber d'ailleurs. Non mais faut, franchement j'ai un problème avec le métro moi de toute façon mais. Mais ouais, je suis d'accord que je. Moi j'ai une situation qui est assez particulière quoi, on va dire. Ok. Et bon, souvent je bosse de chez moi, enfin c'est l'avantage quand t'es ton propre patron aussi, tu fais ce que tu veux quoi. Forcément. Alors. Pareil, faut se préciser pour avoir une pièce intramuros. Oui, mais en même temps, si tu veux habiter sur Paris. Si tu veux habiter dans Paris aussi, enfin, c'est que t'as les moyens si tu veux pas dans Paris en soi, quoi. Enfin, rien ne t'oblige à aller dans Paris pour le coup. Alors. Une 14 ça va. Oui, la 14 elle est bien mais bon. Moi je prends la 7. La 7 elle est vraiment pas mal la 7 pour le coup. Genre nous la ligne à côté du bureau c'est la 7, la Kremlin. Et la 7 c'est vraiment cool en vrai. Surtout que je la prends toujours dans la bonne direction à chaque fois quoi. Soit les gens ils reviennent dans l'autre sens mais je la prends jamais le matin donc le matin c'est horrible quoi la 7 par contre. Mais bon. La 3 c'est sympa. Moi je prenais la 3 quand j'étais à Webedia. C'est celle de Levallois la 3. La 3 elle est très bien. Bah c'est les. C'est une ligne de Bourges. La 3 elle va. Putain, j'ai vraiment pas tué le Varus quoi. La 3 elle va que dans les endroits petits, la 3. Ok. Ok. Quand je. J'en ai une 13. Elle va de où à où la 13? Je pense que j'ai jamais pris, je pense. Elle est un peu puissante la 7. Ah non, moi je te parle des stations qu'elle dessert. Je dis qu'elle est worse. Je suis vraiment pas spécialiste du métro. Bon, on a beaucoup de thunes, hein. On devrait trouver à peu près ce qu'on cherche. Saint-Denis-Châtillon. Elle dessert quoi dans Paris?
Elle dessert Châtelet la 13, non? Ou pas du tout? Oula, on risque de pas passer là en vrai. Hein. J'ai peut-être un peu surestimé notre effectif là. Ah, quoique. La Shiv va se transformer, elle va faire mal. C'est bon, tranquille. Easy peasy. Mais bon, lui à la fin, il sa Ginzo en plus quoi. Ok, j'ai du bon stuff pour Katarina là, ça. On va encore perdre le prochain fight pour la Lustrick, je pense. J'ai plus de méta TFT sur YouTube. J'en ai pas fait pour un moment, mais j'en referai là avec le prochain patch, je pense. J'en referai 100% avec le prochain patch. On va roll maintenant, j'avais trop de thunes pour pas roll, je pense. Ah merde, d'accord, oui, non. Me disais qu'il y avait un truc qui clochait dans l'histoire là. C'est. Fallait pas, mais fallait virer Jinx évidemment. En fait, je me tâtais à pas rentrer dans la rue, c'est à rentrer Draven en fait, mais ouais, du coup j'ai un peu mongolisé. Mais du coup, on va quand même gagner évidemment. Mais j'ai pas rentré dans la rue en fait, oui, d'accord, j'ai vraiment mongolisé quoi. Hop, ouais, on va quand même gagner parce que je suis passé level 6, mais j'ai vraiment mongolisé sa mère là. Alors. Alors. De mon rôle à Courneuve, en passant par Montparnasse, c'est un hasard. Ouais, j'ai rarement l'opportunité de prendre la ligne 13. Vous savez comme je suis un mec diplomate. J'ai rarement l'opportunité de prendre la ligne 13. Pas de PBE. Non, jamais de PBE ici. Pas sur mon stream. Le Willow en fait plein déjà. J'en fais pas moi du PBE. C'est pas mieux de faire ça du coup. Non mais alors, je vais avoir 4 Knight moi là. Oui, c'est bon, je peux avoir 4 Knight en vrai. Bon, on va faire ça du coup, nique. Après, je peux entrer Phantom mais. T'as genre calé les deux rôles de la grille là? Pourquoi j'ai calé autant de rôles? Qu'est-ce que je branle là? C'est pas moi qui roll, c'est le jeu. Putain, j'ai voulu grid pour le Draven, je suis vraiment un trou duc putain. Je suis vraiment un fucking reader quoi. Je suis vraiment un trou duc à d'avoir fait ces rôles quoi. Juste parce que je me suis dit que je peux choper le Draven ou la Kata. Je suis vraiment un connard quoi. Je suis vraiment un connard de grider quoi. Allez, allez Kata ulti. Ah, c'est Darius qui a impérial? Fuck. Elle a pas impérial par contre, elle a son buff de End of Justice qui va quand même faire des dégâts. Elle a fait mal, elle a fait mal, on est content. Bon travail, Kata. Bon travail, mon travail. Je suis vraiment un putain de grider quoi. Alors, ce serait bien que je sois quand même deuxième pick. Mais ce serait bien quand même de gagner. On va gagner, c'est bon. Pef. Mais je lui mets très peu de dégâts, c'est bien. Ah, on risque pas d'être deuxième pick, hein. Ça va être délicat. Il reste encore un combat là. Bon, on va pas roll ce coup-ci, hein, mais bon. Alors. Ta-ta-ta. Non, mais ça va de soi qu'il y a des coins extrêmement mal famés dans Paris. Et autour de Paris, il y a des coins mal famés. Après, il y a des très bons coins dans Paris. Après, je vais pas essayer de vous convaincre que Paris c'est bien. Je connais tous les défauts de Paris. Et je sais que j'ai la chance de dodge la plupart des défauts, enfin l'immense majorité des défauts. Et moi je suis très attiré par tout ce qui est. On va dire, toute la partie attrait culturel de Paris est quand même imba par rapport à toutes les autres villes de France réunies. Sans conteste, hein. Par exemple, j'ai été à Marseille moi pendant un an, plus d'un an, et je peux dire que l'attrait culturel de Marseille, c'est pas ça. Bon, après, j'ai pris le pire exemple, je suis d'accord, mais. Oui, là, je suis mal à 2. Est-ce qu'on peut perdre? On va peut-être perdre, ouais. Si on perd, c'est terrible. Bon, moi, j'aurai mon carousel, mais. Ah non, c'est bon, c'est bon, il a fait le café. Le... Ah, c'est l'ulti, c'est la fin. Oh, il a ulti, l'enfoiré. Rip. Ah, j'ai impérial. Ok, je le baise. Nice. Ouais, lui, il est impérial. Est-ce que je suis seconde pique ou pas? Nice. Un peck, pas un Draven là? Il y a une Kata avec un item tout à fait discutable. Attends, c'est quoi? Je veux une larme, c'est ça? Ah ouais, non, mais la larme elle est sur Tristana, putain, fuck my life quoi. Ah, j'ai piqué l'épée, c'est mort. Hein. Fera un GA pour le soin aussi. Alors. Si tu es à Saint-Germain, t'es au calme. Je suis pas à Saint-Germain-des-Prés, non. T'es dans quel quartier? Moi, je suis à Kremlin, moi. Un Kremlin, sympa Kremlin. C'est sympa. C'est cosmopolite, on peut le dire. Hein. Par contre, c'est sympa parce que t'as les prix de la banlieue, mais il y a le métro dans Kremlin, quoi. Donc j'avoue que c'est. Merci beaucoup Romulus. Ta-ta-da. Niveau violence. Je pense vraiment que. Quand vous êtes à Kremlin, vous êtes ultra, méga, fucking, méga safe, quoi. Pour le coup.
Après, moi j'ai jamais eu une seule emmerde de ma vie, tu vois. Donc, moi les gens quand ils me disent qu'ils sont emmerdés, je suis toujours en mode ouais, t'abuses et tout. Donc, mais c'est juste que j'ai jamais eu de mauvaise expérience et j'ai traversé les rues de Marseille à 3h du matin en rentrant de la gaming house ou même du vieux port des fois, j'ai jamais eu une seule emmerde, tu vois. Donc, après voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours dodge un petit peu les emmerdes, quoi. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que moi je suis toujours en mode bon bah tranquille, quoi. Ah fuck, je prends la Kindred, je crois. Non, non, ça fait chier, je suis pas avant, tant pis. C'est trop con d'avoir perdu ce fight là. Oh, j'ai. Oh, 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 oh là là. Ah ouais, non, c'est chaud par contre, non. De le rentrer maintenant aussi. On fait ça? Non, mais le problème de rentrer Draven maintenant, c'est qu'on perd les 4. Non, je peux pas le rentrer maintenant. Je perds les 4 Knights, après c'est fort. Hein. J'ai pas envie de lui faire de IE par contre, je sais pas. Non, je peux virer Kata. Ouais, c'est worse par contre, ça je pense. Par contre, du coup, l'item, je veux qu'elle reste sur Kata, donc je vais leur perdre un item pour ce fight, quoi. Mais je pense que c'est quand même worse. Ouais, pas sûr. Ça se discute. Ça se discute en vrai. Grand Kindred. Ah bah non, ça c'était le seul truc qui était pas possible, ça. Oui, d'ailleurs, c'est impérial. C'est cool, mais il a pas d'item. Mais bon, je pense qu'il fait quand même mal, hein, à ce moment-là de la partie. Ouais, pas critique. Par contre, il y a Lucien qui est en train de le défoncer là. Ah, mais Darius fait trop mal là. Darius, il a trop niqué les mers là. Du coup, après, il n'y a plus que Zed qui fasse derrière pour ramasser. On pourrait envisager de full stuff le Draven. Après, si j'ai pas un croc du dragon à lui mettre, ça a aucun intérêt de le full stuff, quoi. A voir. Tu disais, je traversais la rue de Marseille et j'ai jamais eu une seule en mer, je disais. Voilà. Mais bon. Pourquoi mettre tout le monde en ligne? Ça permet que les assassins peuvent jump plus facilement sur la front lane adverse, notamment. Et ça permet de split les focus de l'adversaire aussi. Tadam. C'est Thorl qui crée les emmerdes, il est le danger. C'est ça, c'est moi le danger. Non, après, je sais qu'il y a des gens qui ont tout le temps des emmerdes, mais je pense qu'il y a, je pense vraiment qu'il y a un côté. Genre, il y a des gens, tu vois, ça se voit que tu peux les emmerder, quoi. J'ai l'impression que ça se sent. J'ai l'impression qu'il y en a qui le sentent. Il y a des gens qui sont, je connais des gens qui sont tout le temps emmerdés, qui ont tout le temps des emmerdes, qui sont tout le temps braqués et tout. Surtout quand j'étais à Marseille, quoi, tu vois. Des gens qui se sont fait suivre jusqu'à chez eux, enfin, le truc horrible, quoi, tu vois. Je me dis qu'il y a vraiment, genre, un profil qui se fait. Allô? Allô? D'accord. Bon. Très bien. Ah, d'accord, très bien. Dommage que ça m'intéresse pas. Tu reviens quand je joue des monstres, s'il te plaît. T'as jamais vu qu'une Katarina? Ah non, mais non, mais. Oh, je suis en colère, putain, je fais n'importe quoi. Je fais boulette sur boulette, quoi, je suis vraiment un trou du cul. Bon, le stuff du Draven est vraiment pas bon pour le late game, quoi. Par contre, pour le moment, il est cool. Juste, en fait, je relais juste pour au moins une Sejuani, en fait. Pour pouvoir enlever Darius et pouvoir re-rentrer Katarina, temporairement. Mon Draven, il gagne, là. Ah, pas sûr. Non, non, j'ai rien dit, il gagne pas. Avec la rédemption et la Warmog, il gagne pas, jamais. Et bon, c'est avec Ginzo, il gagnait, mais. J'ai fait vraiment des rôles de merde, quoi. C'est qu'on a pas envie de te faire chier. Oh, moque-toi, moque-toi. Mais je suis gros, hein, je fais 1m84 pour 83 kilos. Je suis pas, je suis. Tu vois, tu sens que. Je fais des combats de MMA, ça se sent quand on me voit. Bon, j'ai pas mal, quoi. Bon, on peut rester AFK comme ça un moment, je pense. Monter level 8 maintenant. La taille, c'est jouer aussi sur les emmerdes. Non mais en vrai je suis grand donc après je dis pas hein, s'il y a un groupe de 4 mecs qui veulent m'attraper ils me défoncent hein, tu vois. Mais en soi je pense de pas être le profil qui se fait le plus emmerder, quoi. Par contre pourquoi mon Draven a mis 100% de ses attaques alors qu'il y a seul. Et en plus il s'est collé comme un trou du cul. Mais il est con. Mais il est con alors qu'il y avait. Mais il y a pas 6 Yordle si. Il y a 6 Yordle. Il y en a que 4. Mais il est con en fait. En fait mon Draven est un mongol. Non mais très bien. Mondraven est un mongol. Je vais écrire un livre qui s'appelle Mondraven est un mongol. Alors. Voxer, tout le monde le craque, l'invisette. Non mais s'ils ont 4, ils me tuent. Par contre, à 3, je pense qu'ils viennent pas, je pense. Je rigole. Enfin voilà, ça pour dire qu'à mon avis, il y a quand même un profil quoi, qui se fait emmerder.
Alors. Qu'il est con ce Draven quoi. Je sais même plus ce qu'il fallait sur la méta officielle. Ah bah c'est con ça, parce que ça arrive pas encore en plus le PBE. Hein. Ok. Ok. Tadam. Pourquoi ça spam là? Alors. Bon, quand Draven a impérial, c'est free win. Hein. Enfin, quand il n'y a pas Brome qui. Mais meurt Brome en fait. Juste meurt Brome. Quand Draven a impérial, c'est free win du coup. Hein. Sauf qu'il a impérial ce bâtard quand même. Ok. Bon, du coup, on n'est pas du tout first pick. Hein. Au moins, on n'est pas la speak. Pour un jeu encore une terre, le 14 novembre. Ça va être bien. Ça va être bien. J'ai encore 2 épées MDR. Très content. Bon, on va target l'armure. Ok. De toute façon, on va essayer de faire 2G à la limite, je pense. Swain, il faut un GA pour Swain. Si un jour on arrive à faire Swain. Ah mais Ethan, je pense que tu te fasses emmerder toi, ça va. J'espère que tu te fasses emmerder Ethan. J'ai à Garen du coup, on est d'accord. Hein. Parce que Garen on le vendra pour remettre Darius quand on aura Swain. Si un jour on l'a MDR. RRR. MDR, RRR. Putain mais mon Draven est tellement mal stuff. En soi. Alors. En fait, il est bien hein, sur le papier, mais en fait, il faudra un croc du dragon à la place de IE en fait. Faut vraiment, en fait, un croc du dragon, c'est vraiment. En fait, moi, j'aime pas Stuff Draven en fait. Genre, c'est de la grosse merde. Parce qu'il s'est fait nerf, il est beaucoup moins fort. Et bah, dès qu'il y a des Yordles, c'est la merde. En fait, moi, je veux stuff Swain et Katarina. Le problème, c'est que j'ai eu Draven 2 avant d'avoir Katarina 2 et que bah voilà. Et quand tu le stuff, faut mettre un croc du dragon appli. Mais j'en ai pas eu du tout là. Waouh, mais en plus, le fight s'est tellement mal passé après lui, il est feed. Ouais, il est premier en fait, ouais. Tellement feed lui. Quel enfer. Ok, non mais lui il éclate tout le monde, il a planté en 2, Aurélien en 2, ok. Forcément. Hein. Tant le camion 17h. Eh ben, pas longtemps après, hein, parce que le match ce soir, attention. Hein. Impérial c'est super fort. Je trouve ça insane, mon Impérial. C'est trop fort, je trouve. C'est juste que là on a le cas de figure où, bah. On a eu très vite le Draven et c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. C'est vraiment ce qu'on pourrait penser, mais c'est très fort, hein. C'est très très fort, pour le coup. Sandy c'est trop fort le reste bof. Bah oui, bah tu joues Impérial que pour Swain. Hein. Et pour Katarina. Katarina c'est trop fort. Katarina 2 évidemment. Mais tu joues pas Impérial pour Draven. Hein. Darius c'est super fort aussi. En early. Non, ça suffit pas. Impérial 2 en late c'est impossible de gagner avec. Même de faire top 4, c'est quasiment impossible. À moins que t'aies Swain full stuff hein, avec Katarina quoi, tu vois, ou genre Darius. Hein. Quand t'as Swain full stuff, tout est possible en soi. Bon là, mon Draven a Impérial. Donc tous les fights où Draven a Impérial, on est pas mal quoi. Pour tempo, c'est pour ça quand même que voilà, c'est pas mal, hein, mais voilà, c'est le problème, c'est qu'on est trop Draven dépendant quoi. Alors que quand t'as encore le Z à la place de Draven à ce moment-là de la partie, qu'à ce stuff là, le Z il fait pas d'erreur quoi, tu vois, entre guillemets. C'est un sort étoile. Je suis d'accord, Ethan, mais c'est pas ce qui est à l'intérieur qui compte, c'est ce que les gens voient en toi au moment où ils vont essayer de t'agresser, tu vois, en soi. On n'a pas assez d'argent pour cette strat, je pense. Ça va être dur. Cette MSTF Kata c'est incroyable. Kata il lui faut deux systèmes avec du mana. Genre deux mains de la justice, c'était bien avec Kata. C'est quoi le pourcentage sur Swain du coup? Croc du dragon, GA, Morello. Le plus important étant le GA. Qu'on a ici en plus d'ailleurs déjà. Non, Draven c'est pas fou. Draven c'est fort quand il a impérial, sinon c'est de la merde. Donc en fait 1 sur 2. Alors Katarina même quand elle a pas impérial, level 2 elle est forte. Ah la spat c'est de la merde, à moins que j'ai démon, à moins que j'ai une tire. Oh, coup de main de Nico. Ah, mais problème de coup de main. Ah non, c'est terrible en vrai, putain, faut trouver que ça. Problème du coup de main de Nico, c'est que c'est bien quand j'ai Swain déjà, enfin quand je l'ai déjà en fait, là je l'ai pas encore. Donc on va tempo un tour avant de level up, on risque de prendre cher. On a hâte. Bah yes. J'envisage de pas l'utiliser. Tu
Je suis pas switch avec assassin là, non. Non, je peux pas. Ce serait. Enfin, ça a aucune utilité en fait. Ce serait juste nul, nul, nul quoi. Soit une assassin, on veut que ce soit plutôt une frontline, soit une en fait. Hein. Là, je vais pas l'utiliser sur ce. Ah, c'est iconique. C'est parti. Voilà, Gnar, c'est un gros contre à Draven, je trouve. Y a pas de Morello, donc Draven va se mettre bien. Ah, c'est dur, la Shyvana. Alors, la Shyvana, ça s'est joué à rien, putain, je suis déçu. Ça s'est joué à rien le 1v1. Bon, là, on va passer le 8, il faut qu'on trouve Swain, bonne chance. Le Gassassin. Bonne chance à tous. On n'est pas dans un bon scénario là, on n'a pas assez de thunes pour trouver Swain là. On a vraiment pas une assez bonne écho, je pense. Enfin, on n'a pas assez, on a pas une assez bonne écho pour se plaindre si on le trouve, si on le trouve pas quoi, tu vois. Je pourrais me plaindre, mais ça sera pas justifié. On va essayer de tenir, hein, mais ça va être compliqué quoi. Ah, mais je suis à 7 sur 8 du coup. Ah, je suis un canard. C'est vrai que je vais rajouter un perso en plus quoi. Bah, ah, il a 6 Yordle lui. Ah, c'est mort. Hein. On est mort, je pense. Hein. J'ai rajouté Garen parce que si j'ai rajouté Darius, c'était. Comment dire. Si j'ai rajouté Darius, c'était de la merde en fait. Parce que il pouvait prendre l'impérial. Mais là, il y a un Veigar 3 qui a one shot mon. Je compte beaucoup sur Katarina pour essayer de tuer des gens. Katarina fait mal, c'est cool. Katarina a fait son ulti qu'elle doit faire dans ce genre de fight. Hein. Bon, là par contre, on va se faire détruire maintenant. Elle pourra pas recaler d'ulti, je pense. Parce qu'elle va se faire stun par Kalen et. Ah, elle a Kalen ulti, mais Lulu là. Puff, dommage. Dommage, dommage. Il se trouve Kaisa 2. Non, j'ai utilisé le coup de. Non, Kaisa c'est nul en fait, c'était pas Void. Kaisa c'est. Et surtout que le stuff est très mauvais pour Kaisa là. En plus. Raison de plus que. Pour que ce soit pas bon du tout. On est mort. Faire top 7. Ah non. On trouve Swain. On est content. Alors. Bon. On peut peut-être tenir, mais ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud de tenir quand même, mine de rien. J'aurais dû baisser Darius pour Hook. Alors il a. Ah, oh, ça va être. Il a pas d'item défensif, mais. On a fantôme le mort de Kaiser, il a fantôme. Ok, allez, c'est Juni ulti. Ok, c'est Juni a plus ulti. Ok, nice. Le Draven est en train de se faire le Yasuo, ça c'est cool ça. C'était la seule menace. Enfin, il y a le Swain qui est menaçant, mais moins quand même. Ok, c'est gagné. Ok, nice. Est-ce qu'on le. Ok, on va peut-être pouvoir tenir jusqu'au. Jusqu'à ce que des gens meurent. En fait, c'est très serré en fait. Donc, il suffit qu'on tombe sur un mec qui nous counter et on meurt quoi. Je sais pas combien à la Torlk. Je sais pas, top nul. Je sais pas, top 20, un truc comme ça. Enfin, de la merde quoi. Je peux prendre le Swain. Bon, on a utilisé le coup de main de Nico pour des raisons de. Il fallait tenir quoi, mais vas-y, go jouer. Au pire, je le vends quoi. Je pense que je le vends pour récupérer l'item au pire, mais. L'item est bien dans tous les cas, donc. T'as pas eu de la merde. Non, mais oui, c'est de la merde parce que j'étais top 7 il y a deux jours, tu vois. Enfin, c'est une régression, tu vois ce que je veux dire ou pas. En soi, enfin, quand le seul but c'est de passer top 1. Il y a aucun autre objectif que faire. À part celui de faire top 1, quoi, tu vois. Donc bon. Oui, on peut considérer que de mon point de vue c'est pas fou quoi, tu vois, après c'est relatif hein. Bon. Faut espérer tenir le prochain fight hein. Je peux pas vendre Kindred, c'est pas worse. Y'a rien que je peux vendre de manière worse. Et ce serait pas worse de jouer avec un perso de moins à ce fight, surtout en vendant Kindred quoi. Donc on espère tenir hein, bonne chance. Allez. Je peux reculer le Swain comme il est. Ouais. Son Draven est. What? Oh, j'ai fantôme le Draven. Mais son Draven est stuff comme ma bite là, non? Il a Kale 2 par contre. Non, Kale 1. Ok, je vais gagner, je pense. Non, j'imagine qu'on gagne. Oh, on l'éclate. Hein. On va l'éclater lui. Ok, c'est cool. Bon, on est bien. Hein. J'ai lock. On est bien. Hein. On va come back. Faire top 4, je pense. Ouais, c'est le top 4. Si le Panthéon 2. De... Attends, mais il a 2. Ah non, non, attends. Ah oui, il a 2 Panthéons, très bien. Si le Panthéon 2 gagne, c'est top 4. Ah, il va perdre le Panthéon 2. Je suis deg. Ah non, c'est bon, il gagne. Non, il y a encore GA. Ah non, il y a encore GA. Fuck, il gagne pas du coup le Panthéon 2. Ah si, il a gagné, nice. Allez, meurs. Top 4.
Le soin d'assassin. Le soin d'assassin. J'en ai fait des swains avec du stuff de merde, mais alors là. Le soin assassin. Le swain. Le swain. Oh, quel enfer cette game, quoi. Mon dieu. Oh non, je suis tombé sur les Seardle, putain, ça casse tellement les couilles. Oh, Vegar a pris fantôme. C'est une bonne nouvelle ça. La question c'est est-ce qu'il va one-shot Bakatarina avant qu'elle ait l'ulti. Ça serait une mauvaise nouvelle. Surtout si il one-shot le Swain en fait. Ok, la one-shot je sais pas qui mais... pas le Draven ni le Swain. Ok, il est mort. Je gagne du coup, c'est bon. Hein. Mais il est encore level 7 en fait, donc il a genre du trop all-in sur ses Yordle en early du coup. C'est vrai que c'est... Ok, cool. C'est fort Yordle maintenant. Ouais, c'est assez fort. C'est assez fort Yordle. Hein. Pas mal ça comme item sur Katawina. Y'a pas de hexe de toute façon. Hop. Oh Katawina, 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 let me go. Behalzebot. Lui c'est chaud. Ouais, je pense que je. Sans Croc du Dragon, je perds contre les deux, je pense, mais bon. Inch 1. On va faire top 2 ou top 3. Top 1, ça paraît délicat de gagner autant de fights de suite contre un mec qui a autant de PV quoi. Tu sais, sur Fantôme quand même. Bah non, parce qu'en fait il est repassé full. En fait. Pas du tout, Belloc. J'ai pas eu de chance au contraire. Parce que Vegar a ulti et comme il avait un pistolet mextech, l'ulti l'a remis full vie. Donc non, j'ai pas chaté du coup. C'est l'inverse au final. Si tu regardes le combat en entier et pas juste la première seconde, j'ai pas chaté du coup, non. Sur Katawina, je pense. Hein. J'ai rien à roll là, Darius, on s'en branle. Ouais, on s'en branle. Je préfère jouer limite lui quoi. Non, c'est chaud, non mais la brandée Aurélien. Le Draven va se faire sauter, va se faire péter en deux dans tous les cas quoi. Ça va être marrant. C'est rien trop d'assassin là. Ah non, ça sert strictement à rien trop d'assassin là. Strictement. Ça augmenterait les coups critiques des auto-attaques de mon Swain. Ah, c'est génial vraiment. Ça serait super fort quoi. On a bonne chance hein. Ah putain. Oh j'ai... Là par contre on a bien y a un GA ouais. C'est pas... y a un GA et une piège à pince. Donc en fait c'est pas fou hein. Des fois faut pas comment dire, se fier aux apparences hein. C'est pas parce qu'on GA un perso qui est bon dans la compo adverse que c'est une bonne nouvelle quoi. On va perdre du coup là. On tuera pas la... Ah elle a un GA du coup on est mort. Dommage. Ah, on est pas mort par contre, j'avais dit HP, j'avais pas vu. Cool. Et lui, il m'éclate aussi. Bon, les deux me battent, donc faut qu'on escroque du coup. Enfin, il me bat. C'est chaud, mais il me bat parce que j'ai pas de Croc du Dragon quoi. Alors. Pff, de toute façon, ça sert à rien de. Même si j'ai très bonne chance de passer level 9, je vais pas roll pour un Darius. Ça, c'est impossible. Là j'ai juste tombé contre lui, ou contre le fantôme de l'autre donc... Je contre le fantôme. La bonne nouvelle c'est que le fight risque de durer assez longtemps. Donc si l'autre... Ah putain j'ai pris fantôme sur Draven. Alors c'est pas si mal s'il est pas focus vu que j'ai une soif de sang. Et comme j'avais assez bien placé pour le Panthéon. Oh Kindred qui a sauvé toute la famille là. Kindred qui vient de sauver notre famille hein. Ah pas deux fois. Bon on va perdre, la question c'est est-ce que l'autre peut perdre avant nous quoi. Allez, tiens, Swain, tiens. C'est bon, le Swain il tient, regardez. Le Swain il tient, c'est bon, nice. L'autre est mort. Ah, j'ai gagné en fait. Trop marrant. Est-ce que Swain peut re-ulti? Non, je suis mort. Il n'a pas pu re-ulti avant pour se soigner. Bon, ça me va.